11 juillet 2015. Bonjour et bienvenue dans ce journal. D'abord, cette mutation de la milice Bakatakatanga, parti politique, décision de son ex-seigneur de guerre, Dedan Kiungu, le mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains, c'est le nom de cette nouvelle formation politique. Ce parti est l'une des conséquences de la pacification du pays que mène depuis plusieurs années le chef de l'État. L'annonce de cette nouvelle est une exclusivité de Télé50. Les détails avec Fabien Lumbala. Sur cette photo très récente, on découvre Gédéon Kiungu Mutanga en veste avec en main les statuts de sa formation politique, MIRA, Mouvement des indépendantistes et révolutionnaires africains. Dans cette exclusivité Télé50, l'ex-seigneur de guerre à la tête de la milice Bakatakatanga annonce sa décision d'abandonner la lutte sauvage pour celle noble et digne, donc idéologique, en politique. Gédéon Kiungu, que nous avons eu en primeur au téléphone, s'est exprimé tantôt en Kiswahili, tantôt en Kilubakat. Nicolas Mbayoka devient le secrétaire général de ce mouvement, tandis que le statut de M. Kazadi, le commandant de la milice, n'est pas encore très bien défini. Oui, je confirme la nouvelle, dont moi-même je suis le secrétaire général. Du coup, l'annonce de cette nouvelle suscite des réactions très positives dans les milieux des leaders de l'ex-Katanga. C'est une très bonne information, et elle est encourageante. Vous savez, notre pays n'a plus besoin du sang versé. La triste expérience du Nord Kivu, de l'Est en général, devrait nous faire réfléchir. Donc si M. Gédéon Kiungu a pris une telle décision, d'abord il faut remercier la diplomatie silencieuse du chef de l'État. En soi, je salue l'engagement patriotique de M. Gédéon Kiungu. À ce jour qu'il décide de se muer en parti politique, d'autant plus que nous avons besoin de la paix. Le nom de notre pays le dit, République démocratique du Congo, et c'est la démocratie. La démocratie, on n'obtient pas le pouvoir par les armes. C'est un débat d'idées, que par un dialogue, nous obtenons le pouvoir. Et si aujourd'hui, il a accepté et il a compris que ça ne sert à rien de faire résonner les armes, de faire couler le sang de ses propres frères, et qu'il a décidé de se muer en parti politique, bienvenue. Gédéon Kiungu Mutanga est-il revenu au bon sens? Quel sera justement le véritable cheval de bataille de son combat politique? Avec un combat politique, les gens vont nous écouter. Nous, nous sommes en train de nous battre. On s'est battu d'abord pour les Katanga, à cause que, vous voyez, les Katanga, c'est une province la plus riche, mais si vous voyez, c'est la population la plus pauvre de cette planète. Cette décision pourra-t-elle dédouaner le chef des Bakatakatanga des poursuites judiciaires? Difficile d'y répondre, Iketnonk, par l'affirmative. Dialogue national en RDC, Étienne Tshisekedi a rencontré la diaspora congolaise dimanche à Bruxelles pour expliquer à cette dernière les vraies raisons et les bien fondés du dialogue, une rencontre qui aurait pu être perturbée par quelques partisans de Mbanda qui ont été maîtrisés par la police belge. Sachez aussi que les fédérations de l'UDPS Canada, États-Unis, Afrique du Sud et d'Europe préparent une grande rencontre en rapport avec le dialogue national et ainsi soutenir leurs leaders. La deuxième session extraordinaire du Sénat s'ouvre aujourd'hui, initialement prévue pour lundi. Cette session sera consacrée à l'examen du projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections municipales, locales et urbaines. Un texte très attendu par la Commission électorale nationale indépendante pour organiser les élections locales en octobre 2015, selon le calendrier électoral global qu'elle a publié en février dernier. Par faute de quorum, les sénateurs n'ont pas adopté cette loi, loin lors de la dernière session extraordinaire, d'où la convocation de cette nouvelle session. Si l'opposition appelait au boycott, qualifiant cette nouvelle session d'anticonstitutionnelle, le gouvernement affirme que cette démarche ne viole aucune disposition de la Constitution.
Et puis le Premier ministre Matata Ponyo a présidé lundi la réunion de la Troïka stratégique au menu l'économie nationale et internationale. Et il ressort de cette réunion une baisse générale des matières premières, notamment le cobalt et l'or. S'agissant des finances publiques, elles ont enregistré à la fin du mois de juillet un excédent de 137 milliards de francs congolais. La Troïka a également annoncé la paie du mois d'août pour le 15 prochain. Suivez. C'est tous les lundis, très tôt, qu'ils arrivent à cet endroit. Une petite salutation. On est en forme. Le ministre des Finances. Lui, c'est le ministre de l'Économie, toujours assis devant aux côtés de son chauffeur, contrairement aux autres. À l'intérieur, en attendant la réunion, l'on discute un peu sûrement sur l'ordre du jour. Une fois avec le chef du gouvernement, la matière y est. Aujourd'hui encore, le directeur adjoint du cabinet de Matata Ponyo participe à l'évaluation de la situation économique de la RDC. C'est autour de cette table ronde. Pour ce qui est de l'économie intérieure, il s'observe que d'abord tous les indicateurs macroéconomiques sont sous contrôle. D'autres sujets ont aussi retenu l'attention des membres de la Troïka, notamment les taux d'inflation et d'échange, l'exécution du programme économique, mais également les dossiers de tremblement des terres au sud Kivu il y a 4 jours. Le gouvernement a dépêché une mission au sud Kivu pour soulager un tant soit peu les populations qui ont été victimes du tremblement des terres que le territoire de Kabare a connu. Et une mission est sur place en ce moment de 2 membres du gouvernement, laquelle mission est conduite par le ministre à la recherche scientifique. Et la CENI? Le gouvernement continue à s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de la CENI. Le lundi prochain, on assistera, sauf imprévu, au même balai des ministres à la primature. En attendant, le cadre macroéconomique, lui, reste toujours stable, très stable. Fausse alerte, il n'y a pas du virus Ebola qui s'engagne dans l'ex-province orientale. Le médecin-chef de division de santé de la Tchopo, Francis Belongandi, vient de mettre fin aux rumeurs après le décès d'un jeune homme intervenu suite à une fièvre hémorragique le mercredi dernier à l'hôpital général de Kisangani. Francis Belongandi a précisé lundi 10 août que les prélèvements envoyés à l'Institut national des recherches biomédicales se sont révélés négatifs. Francis Bailongandi, médecin-chef de division de santé de la Tchopo, dément les soupçons qui planaient autour du patient de l'hôpital général de Kisangani, Makiso, mort en présentant, a-t-on dit, des signes cliniques du virus Ebola. Les prélèvements envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale INERBE se sont avérés négatifs, a-t-il déclaré à une radio locale. Les résultats sont négatifs, néanmoins les services de santé continue d'être disponible pour toute maladie ou tout problème médical que la population peut constater. À l'occasion, le médecin a lancé un appel à la vigilance de la population en matière de santé, en réitérant que les services de santé sont formés pour prendre en charge les différents cas. Nous demandons à la population de toujours fréquenter les structures de santé qui sont proches d'elle, qui pourront les prendre en charge de la manière qu'il se doit. Cette nouvelle vient apaiser la population qui craignait déjà le retour du virus qui avait fait 49 décès et plus de 1100 personnes atteintes l'année passée dans l'ancienne province de l'Équateur. La Commission européenne a annoncé le déblocage de 2,4 milliards d'euros. C'est un pas pour aider les pays confrontés à un afflux croissant des demandeurs d'asile. Ces fonds prévus pour la période 2014-2020 vont bien sûr venir en aide aux pays les plus touchés par l'arrivée massive des demandeurs d'asile. L'Italie et la Grèce toucheront respectivement 560 millions d'euros et 473 millions d'euros. Mais d'autres États membres qui font face à ce phénomène vont aussi bénéficier des moyens européens. C'est le cas par exemple de l'Espagne, de la Suède ou encore de la Bulgarie. Avec cette annonce, la Commission européenne valide 23 programmes nationaux en matière de gestion des flux migratoires.
En sport pour terminer, reprise des entraînements dans 5 jours pour le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Confirmation faite par le président de coordination Gentil Ngobila au sortir d'une audience que leur a accordée le ministre des Sports, accompagné de son vice Legarda. Leur entretien a tourné sur la présentation d'un projet qui fera du team vert et blanc de la capitale dans un avenir proche un club viable. Pour l'heure, les Immaculés estiment que la date fixée par la Lina Foot pour le démarrage du championnat est précipitée. J'appelle la passerelle. Les dirigeants du Daring Club Motema Pembe sont plus que déterminés à rehausser le niveau de leur club. Notre objectif à 3-5 ans, c'est que le Daring Motema Pembe retrouve, je dirais, les lustres qu'il a connus. Le Grada, qui coordonne désormais les affaires aux côtés de Gentil Ngobila, parle d'un projet de redressement des Immaculés, un projet qui vise le redressement du club de football. On va s'appuyer sur l'existant pour développer un projet sportif, un projet marketing et un projet de business plan financier. Grand projet que nous avons avec le président Ngobila, c'est-à-dire un partenariat, c'est-à-dire demain que nos supporters soient des socios comme au Real Madrid, comme au Barcelone. Initialement prévu le 10 août, la reprise des entraînements est décalée d'une semaine. Nous commençons nos entraînements le 15 de ce mois. Le 15. Aujourd'hui, je pense que nous sommes les 10, c'est ça? Dans 5 jours, nous commencerons donc nos entraînements. Et concernant le championnat national prévu pour le 29 de ce mois, Ngobila estime que le report leur permettra de mieux préparer le club qui affiche des grandes ambitions pour la saison 2015-2016. Le délai est trop court pour commencer le match parce que bon, ça a été annoncé hier. En ayant deux semaines et demie, commencer une compétition aussi importante. Nous estimons qu'il est. Nous allons voir avec la Lina Foot pour avancer un peu la date au-delà donc du mois de septembre. L'objectif fixé cette saison est de terminer dans le trio de tête du championnat national de football division 1 afin de jouer les compétitions interclubs de la CAF en 2016. Pour atteindre cet objectif, le team vert et blanc de Kinshasa a déjà recruté 14 joueurs qui seront connus seulement lors des entraînements au Stade Tata Raphaël. Et puis en volleyball, le club espoir, l'un des plus grands clubs actuellement, a tenu un point de presse sur les ambitions de l'équipe pour la saison à venir. Dirigé par Christian Matata, dans un avenir proche, l'une des ambitions demeure le titre à la prochaine Coupe du Congo qui se tiendra à Kikwit dans une semaine. Devant les ambitions qui pointent à l'horizon, dont la prochaine Coupe du Congo prévue dans une semaine à Kikwit, mais aussi les Jeux africains, il est plus que temps de faire le bilan des 3 dernières saisons qui ont été plus que positives pour ce nouveau club de Kinshasa, à savoir le Volleyball Club Espoir. Nous sommes sortis champions de Kinshasa et du Congo. Nous qualifions pour la Coupe d'Afrique de club champion à Soustoul, toujours en Tunisie. Les 11 premières places étaient prises par les Maghrébins. Les 2 places suivantes étaient prises par le Kenya. La 3e position était prise par la RDC. Ancien joueur, désormais président de ce club, Christian Matata, compte révolutionner le Volleyball Club Espoir avec un projet qui met à l'avant-plan les athlètes. Le plus important pour le FC Espoir, c'est de voir dans son équipe qu'il y ait pas mal de joueurs internationaux. Donc nous faisons partout le moyen qu'à chaque fois qu'il y a une compétition à l'extérieur, que nous puissions y participer. À chaque fois qu'il y a un peu de moyens, que nous puissions envoyer l'équipe en stage à l'extérieur. Cela fait de sorte que nos athlètes peuvent rehausser le niveau de volley. Après 2 titres provinciaux et 1 titre national, Christian Matata vise la conquête de l'Afrique centrale désormais. D'ici 2 ans, nous sommes en train de viser à régner sur l'Afrique centrale. On a peut-être oublié d'en parler. Il y a de cela quelques mois, nous avons pu participer à la Coupe d'Afrique centrale où nous avons été classés vice-champions. Une tâche qui ne sera pas facile, mais pour y arriver, des stages professionnels sont à mettre en compte, mais aussi des compétitions internationales. Mais pour l'heure, il est question de conserver le titre de vainqueur de la Coupe du Congo. Ce journal est fini. Merci d'avoir suivi et restez fidèles au programme de Télé 50.